Est-ce qu'on te dit le planning de ce soir? Le planning de ce soir, c'est simple, les gars. On va d'abord envoyer ce Robert Pires en club, malheureusement. Et ensuite, les gars, on va continuer Foot Champions. On s'est arrêté après 5 matchs, on était en 4 victoires, 1 défaite. Je jouais très très mal, les gars, hier. Je jouais très très mal. T'étais pas au rendez-vous de l'affiche? Non. Non, j'étais pas au rendez-vous de l'affiche. Et du coup, les gars, il me faudra un nouveau dev centre ici. Je sais, les gars, ça peut paraître un peu dur ce que je vais dire. Mais moi, j'ai besoin pour Foot Champions de continuer à jouer avec les joueurs dont j'étais habitué de jouer avec. Donc il nous faudra un nouveau dev centre, mais offensivement j'avais la mayonnaise sur... Là, le fait que Paulo Dybala rentre dans l'organigramme du club m'a tout chamboulé. Et il faut que je revienne à la base de base. Aux fondamentaux. Aux fondamentaux, exactement, Liam. Non mais on comprend, mais c'est juste on est déçu de... Bah voilà, t'as pas pris les responsabilités avec Dybala, pourtant il est meilleur que ton RGP. Ouais. Mais bon, on comprend, on va voir ça maintenant. Ma question c'est, tu vas mettre qui en DC? Bah la question c'est ça, je mets qui en DC? Vince, quand il commence à parler tactique, c'est mieux que Guardiola? J'apprécie, mais j'espère que tes genoux sont pas trop rouges. Oh non, c'est dégueulasse. Voilà, voilà. Ça va mieux, ça va. Allez, vamos. Ok, très bien. Vamos. Non, mais ça, on aime. Vamos. On aime quand tu prends des risques. Je pense ça. Que je vais perdre un peu de crédit, les gars, là, on monte sur lui. Pas bien grave. Donc du coup là l'équipe est complète et c'est vrai que j'avais pas pensé de me rappeler que si du coup on prend Timber, bah du coup il sera 10 de collectif avec le banc Edwin. Parce que Boscaglé, les gars, vraiment hier il m'a coûté un match en vrai. Ouais mais bon, je pense que c'était plus le jeu qu'autre chose. Vincent, est-ce que t'es prêt? Je te sens pas prêt, Vincent. Je te jure que Vincent, je te sens pas prêt. Là je sais pas, Vincent, dis-moi, est-ce que tu le sens ou pas? J'y suis. Il nous donne la win. Il nous donne la win, les gars. Ah non. Oh, le faux espoir. Oh, j'adore cette petite virgule, les gars, comme ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est la première fois que tu viens sur nos lives de base, tu nous suis sur YouTube. Ah, mon ref, mets-toi à l'aise, mon ref. Mets-toi à l'aise, mon ref. Ce but, il est pour toi. Quand Vincent parle, faut pas l'écouter. Moi, j'attends de Vincent, j'attends de voir un Vincent irréprochable devant les cages. Et il y est pas. Vincent, il y est pas. Et merci à toi de nous pour le 4ème mois. Continuez le bon boulot, les gars. Et Aïd Moubarak pour mes frères de musulmans passage, les gars. Aïd Moubarak à tous nos frères et à tous nos sisters, les gars. Prenez bien soin de vous. Profitez bien et bravo, les gars. Fêtez bien ça en famille avec vos proches, les gars. Que du love. C'est important. Oh! Vamos, vamos. Oh, le but. Un peu chanceux, mais on prend. On prend. Alors ouais, je pense que ça dépend vraiment de ton matchmaking, hein. Je vais dire, plus tu vas faire de victoires, plus les adversaires seront chauds, en vrai. C'est comme ça, moi, je me mets en forme, les gars. C'est comme ça que je m'échauffe. Et attention, là, le ratio, exactement, on est en 6 victoires, 1 défaite, les gars. Il est exactement 19h, un lundi soir. Carlos Vela, Tots. Les gars, Carlos Vela, je crois que c'est il y a 2 ans ou 3 ans, il avait une carte TOTS. C'était du très 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 haut niveau. Très 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 haut niveau. Cette carte là peut être pas mal. Les gars, je vous dis, en tant que super sub, il a tir en finesse extérieur du pied. Carlos Vela, il a la vitesse, il peut avoir le tir. Le seul truc chaud, c'est que ça va être dur de le caser quelque part. Mais pour une équipe 84, en fait, il faut le faire. En fait, les gars, il faut le faire. Mais avec les doublons. Avec les doublons, s'il y a des choix. Est-ce qu'il y a des choix? x2? Ah, ok, ok, ok. Double renfort 86+. Ok, ok, ok. Mais c'est 3,80+. Ok, les gars, bah top. Vas-y, les gars, on s'en fait un vite fait juste pour voir ce que ça donne. N'envoyez pas tout de suite vos clubs dans les choix joueurs, d'accord? Tu peux en faire une quinzaine, vingtaine, d'accord? Mais n'envoie pas tout ton club. Ne mets pas en banqueroute maintenant. C'est que la TOTS communauté. Exactement, je préfère garder ça pour la TOTS première ligue, les gars. Exactement, voire même les autres TOTS qui vont suivre, tu vois. Ce serait important de ne pas mettre tout son club dedans. C'est important. Réel, réel, les gars. Tu vas tirer. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Saliba, il va avoir un TOTS. Oh, ah, dommage. Dans le côté, les gars. C'est dommage. C'est dommage. Allez. Bien joué, ça. Allez, contre-pied. Allez, Vincent. Non. T'es dans sa tête, allez. Bien joué, Vincent. Pour ceux les gars qui matent pas mal la série à Lautaro, c'est vraiment un très très grand neuf ou c'est un peu surcoté? Ouais, le jeune Nketiah, il est pas mauvais, hein. Ouais, mais il score pas assez. Il score pas assez, mais un joueur de rotation, tu vois.
Ah, yo, c'est normal qu'ils jouent un tryhard de Future Champions là en vrai. Ça vaut tellement plus le coup là maintenant le tryhard, c'est normal. GG les gars, je rage quitte, il est trop fort le mec en face. Tu vois le delay? Non mais tu vois le delay ou pas? Parce que je voulais qu'il la tape fort en première intention après la passe avec grande percée. Tu vois ou pas le delay? Là c'est dégueulasse. Sur ce genre d'action là, c'est une question de gameplay. Bien joué Vincent, tu vois quand tu prends l'espace, c'est bien Vincent, c'est bien. Bien joué Vincent. Voilà, je t'ai dit, pourquoi Quaresma était important. T'avais besoin de la 5ème étoile de geste technique devant. Tu vas tirer. Bien joué Vincent. Bien joué. Quaresma il a fait un boulot. Je pense que Quaresma il a fait un gros boulot. Bravo Vince, là t'es en quoi? T'es en 9-2, représente easy 9 matchs pour faire 5 victoires. Ouf. En espérant avoir une ou deux free win les gars. Mais ouais, je pense que c'est le dernier Future Champions League avec Van Persie. Je vais pas le mettre dans un SBC, parce que c'est quand même une légende du club. Mais il sera en tout cas, il va plus jouer. En tout cas, il sera plus titulaire. Il sera plus titulaire. Parce que c'est vrai que Quaresma, quand il est rentré, il a fait un sacré boulot. Il a fait un boulot, il a fait un sacré boulot. Messieurs, les 12 premiers choix joueurs. Un tot dans 12,80+. Oui à 51%, non à 49%. En sachant que là, du coup, on est retourné sur play. Ça se voit parce que moi, j'ai de la chance dans mes packs. Moi. Lui. Le collectif aussi, les gars, pourrait être important. Bien joué, Liam. On avance. Déjà, juste ça, le fait d'avoir, entre guillemets, brûlé tous tes invendas pour avoir Kroos, c'est déjà énorme. Et moi, je veux mon tot, Vincent. Là, tu parles pas de Toni Kroos. Moi, je veux mon tot. Tot. En plus, ah, deux fois Fabian Skid back to back. Les gars, en plus, si tu tapes en tot, est-ce que sur le contour tu vois la carte bleue ou pas? On va voir ça, on va checker ça, les gars. Tu penses comment tu le sens le tot? Bon, ça sent pas oufissime. Il en reste 4. Hein. Ça me dérange pas. Un double en piqué, ça me dérange pas. Ils sont pas au fond. Ils sont pas oufissimes. Bon, le tot, il est là, il est tranquille. Pas mauvais en vrai. Non, en vrai, c'est pas mauvais. Oh, c'est pas ouf. Pour 10 choux. C'est 12. Des amendables, même. T'as brûlé des amendables, frérot. La Liam, il a brûlé tous ses amendables. Pour moi, ça, c'est parfait. Ah, mais j'ai pas eu mon tot. Oh. S'il y a un player pick, moi, même, c'est gars, le pack, il a combien? En vrai, il a combien pour vous, les gars? Moi, même, le player pick, 800 000, 900 000, voire même 1 million. Oh, le tot. ADM. C'est propre. 89. Ça aurait pu être Nabri. ADMI, je l'ai pas test. J'ai affronté 2-3 mecs qu'il avait. Il était pas si ouf que ça. Ok. Je pense que les gars, pour moi, c'est un fodder. Ouais. Pour moi, c'est une grosse note. C'est un fodder. Bon, ouais. Messieurs, j'annonce un tots, mais ça sera un tots un peu nul. En vrai, tots, ouais, c'est un peu trop haut pour moi. Mais j'annonce un tots. Regarde. Tots. Deux fois de suite, c'est trop. Oh. Alors là, on tombe des nues. Les gars, je sens le deuxième tots derrière. Il coûte combien? Il coûte combien, les gars? Je crois qu'il coûte 150 000, non? Pour avoir mis par héros dedans. Ah les gars, je suis dans une vibe là. Oh, je respire la tranquillité. C'était la note parfaite. Et donc les gars, j'ai one shot. C'est magnifique Vincent. J'ai one shot en un coup avec le club de Liam, j'ai one shot le SBC d'un coup. Non Vincent, franchement bravo. C'est la note là. Ok, Maxence Capri, carte rouge. Bam. Là j'ai sorti tout seul le Pedra. On était à 35 de collectif. On envoie messieurs. On envoie par héros, boum. Zidane c'est l'objectif les gars. Mais y aura-t-il le logo ou pas? Selon moi, il n'y a pas le logo. Sur PlayStation, c'est très rare qu'il y ait le logo. Il y a le logo Vincent. C'est très rare Liam. Très rare sur PlayStation. Très rare. J'aime bien ça. Les gars dans le chat, la nationalité maintenant. Pour Vincent, c'est Portugal. Moi, je vais dire Brésil. Moi, je veux Ronaldinho, les gars. Ronaldinho, bah oui, c'est... Oui, c'est vrai. Ah, les bâtards, je vois pas mal de Japon. Ah, les bâtards. Ah, le chat, les gars, le chat, vous avez pas de cœur. Le chat, vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur. Allez, messieurs.
Pack Moments Icon. Peut-être que demain il y aura le choix Moments Icon. Peut-être, peut-être pas, on verra. En tout cas, les gars, on a décidé de tout envoyer pour le pack Moments Icon. Messieurs, profitons de Ronaldinho ou de Zizou. Maintenant. Oh, c'est très très bien ça. C'est Torres. C'est un buteur. C'est une victoire dans mon manuel. Bravo. Mais ne joue à point. Car Liam est arrogant aussi. Ces derniers jours, ces dernières heures, les gars, en stream Twitch, Liam est très très arrogant. Mais pour moi, c'est une victoire quand même. Pour certains, c'est une victoire. Pour moi, malheureusement, j'ai déjà Moments Henry, Eusebio, Cruyff, R9. Eusebio mid. Voilà, elle est là la différence. Eusebio mid. Non, il faudra le tester, les gars. Faut vraiment le tester. J'ai testé moi sur un compte d'un pote sur Xbox et vraiment, il faisait du sale. Après, c'était il y a un mois. Maintenant, avec tous ces défenseurs tots, la méta du jeu. Les gars, victoire ou défaite? Dans le chat, victoire ou défaite, messieurs? Faudra voir aussi après, juste derrière la question. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, le gros pouce bleu. Bah attends, je vais voir les stats de. Oui, on va voir. Je peux juste parler avec mon chat. Il est arrogant. Et punissez-le, il est arrogant. Ouais, c'est terrible. Et punissez-le. Double 4. Il a une caractéristique. En vrai, il a une belle carte. Ouais, en vrai, tu vois là, tu vois, je le fais pas jouer militaire. Tire en finesse, etc. du pied. Ok, non, ça. Pour moi, ça remplace Eusebio, ça. Mais on va le tester, les gars. On va le tester à la place de Eusebio ce week-end. Je vous le dis, les gars, on va le tester à la place de Eusebio ce week-end. Et peut-être qu'on va peut-être faire les SBC de Nacho, je sais pas. On hésite sur son entre Eder Militao ou Nacho, on verra. En tout cas, les refs, merci à tous de votre soutien. Merci, les gars, sur Twitch, du soutien. Sur YouTube, le gros pouce bleu. C'est ça qui fait la vidéo. N'hésite pas à nous follow sur Instagram. N'hésite pas à nous follow sur Twitter. Sur TikTok. Et n'oublie pas de passer du bon moment avec tes proches. Et de nous dire aussi qui tu as eu dans ce pack. Si c'est pas déjà fait. Donc voilà. Mais petite pensée et on envoie du love à tous nos frérots musulmans. Tous nos frérots et nos soeurs musulmans pour Eid Moubarak, les gars. Profitez bien. Fêtez ça, les gars. Et prenez bien soin de vous, les refs. Gros bisous. Bisous, les gars. Peace. Ciao, les gars.